Bonsoir à toutes et à tous, ambiance exceptionnelle dans les tribunes de l'Orange Vélodrome. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva et le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Et comme le dit Omar, on s'attend à un match effervescent et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête de Je suis très heureux de partager ce match avec vous, parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Camavinga, Mbappé. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, hein, parce que manquer la cible si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Et on va regarder la composition de cette formation. Dans le but, c'est Mike Maignan. Eduardo Camavinga sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain. Et enfin, en pointe, Olivier Giroud. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. La bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Et la main ferme pour envoyer le ballon par-dessus le but. Corner, de nouveau. Corner. Non, ce corner ne donne rien, renvoyé par la défense. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien. Le pressing sur Théo Hernandez. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir. Revenez au jeu, regardez! Attention, l'arbitre siffle faute. Qu'est-ce que vous en pensez? On est clairement face à un anéantissement. Des actions de but. Pour moi, c'est rouge sain. Oh oui, qu'est-ce que c'est bien frappé! Ce coup de pied arrêté fait mouche. On le revoit, la frappasse, le ballon part. Je ne sais pas, à 30 mètres au moins, ça finit dans le cadre. Incroyable, à une telle distance, il faut de la précision, mais surtout de la puissance. Quelle belle frappe! De 1-0, donc, au tableau d'affichage. Et voilà un tacle parfaitement réussi. Le ballon est récupéré. Moutoussami. Le ballon pour Mbemba. Wilindama. Kakuta reçoit le ballon. Kakuta dans la surface. Oh oui, le but est quel merveille. Il a caressé les ballons, il lui a mis les smoking, il a dit petit, va faire un bisou au filet. Pour bien doser ce petit ballon piqué tout en douceur et en faire en sorte qu'il ne s'échappe pas, il faut techniquement être fort et surtout le faire au bon moment. C'est ça le plus difficile. Ah, le score de parité est donc un partout. Numéro 14, Gaël Kakuta. Théo Hernandez. Et c'est encore pour Mbappé. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Ce ballon piqué vers Coman. Il peut tenter sa chance. Pas de souci pour prendre le ballon. Moutoussami. Ah là là, la mauvaise passe. L'équipe locale a le contrôle du ballon. Et on a l'impression qu'après chaque contrôle, l'équipe, elle, prend le ballon, elle ouvre le journal, elle tourne les pages avant de passer le ballon. Mais la possession, ce n'est rien si tu n'arrives. Oh là 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 là! Mais quelle frappasse! À cette distance en plus! Exceptionnel! Il y a la puissance, la précision
et la surprise, il y a tout dans cette frappe très lointaine. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Ballon pour Antoine Griezmann. Camavinga. Et ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome. Kingsley Coman, super joueur, mais sur ce match. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. À une bonne contre-attaque peut-être. Ah non, finalement le ballon est perdu. Ah, bien joué dans la profondeur. Kakuta reçoit le ballon. Kakuta dans la surface. Ouais, bien joué, bonne sortie du gardien, c'est bien anticipé de sa part. Très bonne sortie et surtout un excellent timing sur cette intervention. Luyindama. Kakuta reçoit le ballon. Il va essayer d'aller provoquer dans l'axe. Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Coman. Ouais, c'est pour Kingsley Coman. Tchouaméni. Attention, ce tir. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et la possession change de côté. La passe en profondeur. Attention à ce ballon, c'est par-dessus la défense. Oh, c'est le but, mais non. Mais non, 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 parce qu'il y a une position de hors-jeu. On remballe le papier cadeau et on le garde pour plus tard. Voilà, changement donc. Olivier Giroud, à sa place, le numéro 12, Christophe Nkunku. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Camavinga. Mbappé en approche. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Gongonda. Moutoussamy. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Moutoussamy. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Oui, coup franc accordé par l'arbitre sur cette faute. Et un changement donc. Eduardo Camavinga, son remplaçant, le numéro 14, Adrien Rabiot. Kakuta. La frappe pour le but peut-être. Luyindama. Kakuta reçoit le ballon. Kakuta dans la surface. Très grosse occasion, mais excellente intervention pour éloigner le danger. Et voilà, l'arbitre intervient, elle siffle la fin du match. Et donc ça se termine avec une victoire à l'extérieur. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart. Ça raconte beaucoup de choses sur la difficulté de ce match.